Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est juste pour nous, rien que pour nous, nous qui parlons, eh oui, encore en 2019, cette belle langue de Molière. Si vous y comprenez quelque chose, venez nous rejoindre, chers amis, on est le 25 juin 2019, 6h-13h du Québec, Eux, heureux de vous retrouver en ce lendemain de Fête nationale du Québec, j'espère que les gens ont survécu, à l'abus d'alcool. Chers amis, la vie extraterrestre, naturellement, ça intrigue tout le monde. Ce serait d'être malhonnête, mais vraiment malhonnête, et c'est malhonnête de prétendre que ça ne m'intéresse ça pas, non, moi, les, le phénomène extraterrestre ne m'intéresse pas. La vie au-delà de notre hein, atmosphère terrestre, ça ne m'intéresse pas depuis, depuis qu'on est... Tout jeune, on s'intéresse à ça. Et depuis que l'humanité existe, l'humain s'intéresse à cette question-là, naturellement, on aime ça, la fuite vers l'avant. C'est pas nouveau, ça fait partie de la nature. <laughs> C'est pas, de, pas depuis les années 60 qu'on s'est mis à balayer vers l'avant. C'est depuis, ça fait longtemps qu'on essaye de trouver hein, la recette magique, la baguette magique à toutes nos questions existentielles, elles sont devant notre nez, mais c'est trop facile. On veut un sauveur qui nous vienne de l'au-delà. Donc, c'est depuis toujours que ça existe, cet intérêt. Plusieurs théories existent, plusieurs témoignages existent de plus en plus, même des témoignages qui remontent à des milliers d'années, de cette présence, de ces rencontres ou de ses observations dans le ciel ou même euh, sur Terre. Donc, ce n'est pas nouveau. Pour que on soit visité, faut il faut qu'il y ait des planètes qui soient habitées, ou, à moins que ces gens-là viennent de l'intérieur euh, de notre planète à nous, quelque part caché qu 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 il faut qu'ils viennent d'ailleurs. Pour qu'ils viennent d'ailleurs, il faut qu'il y ait des, des bases hein, pour que la vie puisse exister. Et apparemment, sur Mars, on vient de découvrir du méthane. Et le méthane, apparemment, est essentiel et est produit par la vie, par des êtres vivants. On va le voir ça ensemble. Ça nous dit que les extraterrestres pourraient effectivement occuper Mars. Le rover, et il faut aussi que comprendre qu'il y a beaucoup de théories aussi sur le fait qu'on serait nous-mêmes des extraterrestres, qu'on arriverait d'ailleurs après avoir exploité une planète, l'avoir vidée de toutes ses ressources, qu'on ait euh, pu euh, déménager et sauver des colons pour les envoyer ici. Il y a beaucoup, beaucoup. Il y a de plus en plus de théories hein, qui circulent. Et dans, quand tu y penses, il y en a beaucoup qui peuvent avoir un certain, une certaine structure de légitimité. Le développement surprenant apporte une légitimité à la notion de longue date que les étrangers peuvent effectivement occuper la planète rouge. Le fameux robot Curiosity de la NASA a découvert une quantité élevée de méthane dans l'air sur Mars, indiquant des signes de vie sur la planète. Cela a une mesure prise mercredi par le robot Curiosity de la NASA mercredi, hein, cette semaine, ben, la semaine dernière en fait. Des scientifiques ont découvert de grandes quantités de méthane dans l'air sur Mars indiquant que des microbes pourraient survivre sur la planète. Comme le notait le, le Times, le méthane est généralement produit que par des êtres vivants. Ce n'est pas la première fois que des scientifiques trouvent du méthane sur Mars. En 2004, des scientifiques ont annoncé la découverte de méthane dans l'air après trois années d'observation. Nous sommes confiants à déclarer Michael Mooma, scientifique senior, au Goddard Space Flight Center de la NASA. En fait, cela nous a tous surpris. Nous essayons encore de comprendre ce que cela signifie. Je vous laisserai la vidéo de ce petit Mars Rover sur euh, Mars dans la boîte de description. Ce, euh, H Win R. Vassavada, responsable scientifique du projet pour la mission, a écrit euh, à son équipe que compte tenu de ces résultats surprenants, nous avons réorganisé le week-end pour mieux mener une expérience de suivi avec les résultats suivants de ces observations qui seraient attendues lundi. Si les résultats sont positifs, nous pouvons rechercher des extraterrestres verts sur Mars. Et ce serait tellement effrayant et cool. Donc, méthane découvert sur Mars. En quantité, euh, en quantité quand même assez élevée qui indique que des microbes pourraient survivre sur la planète. Donc, si des microbes peuvent survivre, euh, <laughs> tout le monde peut survivre. Donc, et le Times qui nous dit que le méthane n'est généralement produit que par, ou nous le notait plutôt, que par des êtres vivants. Donc c'est une, une bonne nouvelle pour ceux qui s'intéressent à la vie au-delà de notre, de notre planète. Hein. Et il faudrait bien que cette vie-là puisse exister aussi ou peut-être peut qu'on utilise cette planète-là pour faire des arrêts hein, pour venir nous, nous voir par la suite. C'est quand même des longues distances. Donc, très intéressant, les extraterrestres pourraient effectivement occuper Mars si tous les éléments sont là, comme semble en tout cas indiqué. La découverte du méthane en quantité élevée sur Mars.